Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Super Mario Odyssey. Alors je suis toujours au même endroit que tout à l'heure, voilà. Mais là il y a un petit coffre, vous l'avez vu. Donc on va juste... On va juste ça, voir le coffre. Et après on va se... On va pas se quitter, bah attends, on vient juste commencer. Quel débile. Ah genre tout ça pour un truc de... Ok d'accord, c'est intelligent. Ok, si on peut dire qu'on a la flemme en fait. Bon, allez hop. Bon, on se dirige direction les boutiques. Ah ouais, attends. Où est-ce qu'elle est? Voilà, elle est là-bas, vous l'avez vu. Ah bon, on va juste aller à la boutique. Et on reviendra de toute façon sur ce monde. Oula. Sur ce monde. Une prochaine fois, voilà, parce que bah. Mais c'est bon, attends. Sérieux, la trouille. Ouais, donc on reviendra sur ce monde une prochaine fois. Voilà, je vais juste à la boutique. Salut, chapeau. Allez, pourquoi pas. Ah non, mais attendez, je vais juste prendre les décos parce que les tenues, on va plutôt les récupérer. On va les récupérer. Ah, qu'est-ce que je voulais dire. On va les récupérer, mais quand on va visiter les mondes, voilà, je préfère. De toute façon, on sera bien obligé, donc on reste à 12. On va essayer de récupérer ce personnage qui s'est barré, bien sûr. Hop, tac. On va aller à la boutique. Là-bas. Ah, mais elle s'est barrée, la boutique. Lol. Allez, hop, on va y aller rapidement, comme ça. Et la boutique jeune. Allez là-bas. La boutique jeune. Alors attendez, je vérifie juste. Les boutiques qui se barrent, franchement. Comme il veut, mais c'est pas pratique. Hein. On a tout vendu, mon pote. Ah bah oui, pff, quel débile. Reviens quand tu veux. Bah, alors, tac, on va aller. Hop là, là. À l'Odyssée. On va y aller, voilà. Allez, hop, encore 10, voilà, bon je pense qu'on a récupéré 11. Ah, il y avait une lune là, bon on va pas la récupérer, vous l'avez vu. Mais bon, j'ai un peu la flemme, on va dire. J'aimerais avancer, on reviendra comme je vous dis, on va tout récupérer. On aura beaucoup de boulot, mais bon, c'est comme ça. Pas le pays de la cuisine. Oh, ce triple bouson ne nous échappera pas éternellement. Oh, le pays de la cuisine. Juste parfait. Alors, attendez, j'ai juste envie de vérifier un truc quand même. On a quand même dû faire le tour du monde en fait. Hein. Oui, il est là. Je pense que voilà. Ah ouais, ouais je peux vous dire qu'on a du boulot après hein, pour tout récupérer. Mais bon, on va le faire. Je crois que Bowser a l'intention d'être un cas avec de l'élixir et ski, les préparatifs du voyage avancent. Bon, j'ai profité du voyage pour faire un peu de lecture. Donc, du voyage sur longueur, envie de sauter plus loin, d'avancer plus vite. Un peu plus simple, courez, accroupissez-vous et sautez pour effectuer un saut en longueur. C'est bon à savoir, non? Voyons voir ce que je peux trouver comme info sur le pays de la cuisine. La spécialité locale est la potée de fête. Il paraît que les autochtones utilisent un volcan pour la préparer. Ah oui, un volcan! Ah oui, oui, chou! Mais en tout cas. De ce que je me souviens, de ce que j'ai vu sur les vidéos de Nintendo, le monde de la cuisine est juste trop bien. Voilà, c'est genre cristal et tout. Piton de Fruno. Et franchement, ça c'est stylé. Alors, je viens un pirate, ça fait pas très très. Les Broodals font les pics assiettes. Ah, les pourris quoi. Allez, on continue. Donc, tiens, qui voilà, c'est pour casser de Broodals. J'ai l'impression d'avoir vu trois trucs, bon c'est pas grave.
Topi, topi, topi. Ok, je vais mourir. Comment perdre si d'un coup, ça fait plaisir. Ça fait pas plaisir du tout, on a envie de mourir. Oui, donc je disais. On va... Donc maintenant j'en ai plus 3. C'est pas grave. Tac, je fais juste ça. D'accord, battu les Goombas, je pense qu'on va devoir récolter des choses avec eux. C'est fait. Non, c'est la tomate. Genre, c'est gavé bien. La tomate et tout. C'est transformé en lave. C'est bon bien ça. Alors c'est comme ça. Mais franchement, c'est gavé bien fait. Ah bah oui, voilà. Je vous ai dit avec les Goombas. Bon, on va pas s'embêter avec eux. T'arrives ? Eh, il commence à me saouler. Non, lui en tout cas. D'accord, ok. Ah ! Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça, voilà. Oh, magnifique commande, franchement, je trouve ça qu'elle est beau. Coucou. Hé, on a voulu essayer de poter de fête pour nourrir tout un régiment. Et dès que j'en aurai fini avec toi, je retournerai sur vos corps pour faire son sort à cette marmite, j'ai fait un minus. Il va mourir, tu vois, il va faire... Oh, mince. Ah ouais, lui il était chiant. C'est tout simple. Oh mince. Comment je plaisante pas, toi. Ah, vous avez mis un truc de chapeau. Oh, quel débile. Genre, il a même pas le temps de réagir, le mec. Bon, allez, c'est parti. Ah, oh, elles sont belles les lunes. Bleu clair comme ça, je les trouve très belles. Les broudages font le pic assiette. Faut le pic assiette, pardon. Alors, on continue. Sous les frochets. Les frochets. Ah ouais, je. Hop là, on va essayer de se changer un peu quand même, parce qu'on n'est pas très très habillé. Voilà. Alléluia. Ah, j'ai compris le principe. Faut bien que je reste. Je sais pas comment. J'ai à peu près compris. On va éviter de se rétablir comme une bête. Tac, on va me rester là, tac. J'ai déjà récupéré, quel débile. Oh,
Ah, désolé, je parle pas beaucoup. On va pas risquer ma vie comme un gros débile. J'avais le temps, mais bon, je préfère, quand je dis, ne pas risquer. On va parfait. Flotte écoulée dans le flotte écoulée. D'accord, ok. Non, mais si eux, il peut rester dans son délire, le mec. Non, franchement, c'est sympa. Ah, ok. Il y a une juste derrière. Oh, la flemme. Comme je vous le dis, j'en viendrai. De toute façon, je saurai bien un jour l'autre. Qu'il y a une. Enfin, qu'il y aura une. Bon, allez, hop, c'est pas le sujet. Tac. Comment récupérer des pièces? Ok, c'est quoi ce odeur? J'en ai l'eau à la bouche. Oh, ça me donne faim. Bienvenue le piton de Fruno, le volcan des îles Saveurs. J'aimerais te faire visiter, mais malheureusement, avec tout ce qui se passe, j'ai d'autres crèmes à fouetter. Ha. C'était pas marrant. Bon. Se voilà-t-il ma plumée arrivée comme un cheveu dans la soupe, et il a pris contrôle de notre marmite. On était en train d'y faire mijoter notre potée de fête, et tout le monde se faisait une joie d'y planter les fourches. Les frouches. Faire un truc genre pas du tout. Alors pensez à l'Italie, ça ah mais il y en a dans tous les mondes ça ou quoi, genre j'en ai vu deux bien sûr, mais voilà. Ouais, sûr qu'il y en a deux, disait celle du zoo de Jabo, le zoo qui a fierté d'IVSEC dans le monde entier. J'ai 10 pièces parties, tu essaies du coup, ouais. Tu gagnes, tu break une lune, perso, c'était toi, je n'hésiterai pas. Nos problèmes, je perds en avant pour une partie du jeu du chapeau. Ouais, j'ai glissé, chef. Ça va, j'ai gagné une pièce. Allez, bon, ouais, t'inquiète. Allez. Ah mince! Allez, on refait. Faut bien que je le balance au moment où c'est la lune. Parce que la lune. J'ai le temps en fait. Ah merde! Pardon. Excusez-moi. Ah, tac, on refait. Ouais, je vais essayer. Ah là là! Quoi? Non mais. Genre? Il est sérieux? Allez hop. On refait. C'est un peu l'arnaque, ouais. C'est... Oh, 10 pièces. Pour de lune, franchement, ça vaut le coup. Mais bon. Bien attendre que le chapeau revienne. Pas comme ça. Ah, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Tac, allez, on fait. Ah, je vais en faire deux coups et sinon je vais en faire ça une autre fois. Ah, et d'un coup ça c'est fait. Allez. Oh, la musique était gavée stressante. Ah ouais, merci. J'ai du chapeau au pays de la cuisine. Allez, ouais, je suis sûr qu'il y en a un dans tous les mondes. Je suis sûr. Ah, pas pareil, ça. J'adore franchement l'ambiance assez stylée.
D'accord, et c'est tout. Oh, il y a un Mario Char, vous l'avez vu. D'accord. Oh, attendez. Désolé, je me suis un peu chié. Ah voilà. Allez, une petite lune. Parfait. Allez, il faudrait que je trouve la boutique par contre. Tire au flanc, moi absolument pas. Pourquoi? J'ai pas compris le principe de ce que tu viens de dire en fait. Pourquoi pas banquer? Allez hop. Ah oui, je sais. Faut mettre des fèves, non? Le chemin qui mène au cratère est arrivé embouillé comme un caviar d'aubergine. Le sommet d'hôtel à la grande marmite, c'est pas les airs. Autant dire que sans elle, c'est pas du gâteau. Trop liol. Alors ouais, dis-moi, le pièce devient là-haut dès qu'il apercevra stocké de sac à plus Vera de la voler. Pour l'instant, on dirait qu'il ne l'a pas vu, mais la minuterie tourne. Ouais, et oula, il y a un bug là. Si tu trouves des navets, mets-les dans la potée, ok. Tous les navets d'or, c'est les meilleurs. Je vais essayer de ne pas en trouver. Enfin, si, mais. Ah, super, ok. Cherche maman, je sais, l'amour au-dessus de la lave, où est-ce qu'elle est cachée, c'est pas, faut chercher. Enfin, le nom, en fait, on peut trouver. Genre. Pas un navet, ça. Au revoir. Bon, pas. On ira là-bas, pas tout de suite. Par contre. Tiens, je l'ai vu. C'est la déception. Voilà, c'est un peu compliqué d'y accéder. Allez, au revoir. Oh, j'ai cru que j'avais pas y accédé. Ok. Et bon, m'en fous. Ouais, non, on va pas risquer. Voilà. Attendez, je regarde un petit truc. Et on continue, excusez-moi. Voilà. Ok, ok. Tu vas recueillir un œuf. Mais non, mais. Il est mort. Alors. On a mis une pièce de viande à reposer là-haut après l'avoir salée. C'est la pièce maîtresse de notre potée de fête. Mais j'ai peur que ça ait plus mal dégrossi. Viens nous la chipper. Non, c'est vrai. Alors, c'est pas ça qui m'intéresse là pour l'instant. On fait une petite lune, genre sympatoche. Ah, elle doit être là-dedans la lune. Mais bon, faut que j'attrape un personnage. Dont je sais parce que j'ai vu le truc de Nintendo. La Gamescom. Ouais. Allez. Voilà, c'est ça qu'il faut aller chercher. D'accord, ok. Sérieux. Ah, c'est ce que je peux essayer. De bouger un peu. Ouah, wow, par contre, c'est physique. Hein. Enfin, physique. Voilà. Il y a la casserole qui bouge plus à gauche là. Allez, tac. Alors, comment ça s'appelle? Sous les frochets.
Ah, fromage et rocher. Ah, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Pas si con. Oh, ça, oh, ça, on dirait des trucs de fromage et tout. Plongeons dans la marmite du fourneau. Oh, oh là là, ça a l'air gavé bon. Pas du tout en fait. Non, si, un peu. Un peu quand même. Par contre, oh, j'ai loupé la boutique, on va dire ça comme ça. Ouais, la boutique était là. Ah, tant pis. Ah ouais, j'ai compris, un truc, j'ai compris. En gros, si je tombe là-dedans, ce qui ne va pas du tout m'arriver parce que je fais de merde. Oh là là, eh, je suis doué moi. Allez, on continue. Viens là, petit. Ok, d'accord. Je sais en tout cas que... Enfin, voilà, en gros. Bon, laisse tomber. Rocher. Ouais, hop là. Enfin, laisse tomber, aller direct au but. Même si je ne sais pas du tout si ça, c'est directement le but. Ok, il y a un truc de pitch. Bon, tant pis. Ah, j'étais presque, bon, tant pis. On continue. Tac. Plateau de salage. Ah ouais, je sais. Sauter, un steak qui saute, c'est pas mal. Oh, coucou. Un peu starbé là. Genre comme ça en fait on l'a. Mais non mais t'es sérieux? Voilà. En gros faut pas lisser quoi. En gros si tu glisses t'es mort quoi. En gros tu glisses t'es mort, c'est pas ce que je disais. Allez. Tellement dû acheter. Oh non, mais attends, ça me met de là. Oh là. On va passer, je pense, la cinématique. Passe la cinématique, ouais, parce que. Allez hop, ça, c'est bien entré. En gros, on peut passer par deux endroits. On va passer par le plus safe, on va dire. Pas de précipitation, ne pas glisser. Genre on saute sur des légumes, non mais c'est quoi ce bordel? Et en soi, alors ma seule question c'est en quoi ça sauve le pays en fait? Plongeons dans la marmite de Fruno. Oh, comme elle est louche! Non, 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 on me dit pas, non. Ou alors c'est beau, mais c'est bien. Ça paraît d'être bien. En tout cas, on va se quitter là. En remontant la cascade de lave. Genre, on va devoir remonter le truc et tout. Là, ok, pas de problème. On va s'arrêter là, d'accord.
Mais aïe, on était projeté jusqu'ici, mais Z, il rigole pas ce volcan. Le volcan est toujours en éruption. Bon. En tout cas. Attends, on va juste voir là. Ah là, ça chauffe trop fort notre petite de fer et de ne pas s'en mettre. Il faut absolument que quelqu'un aille voir, mais comment faire pour monter là-haut? Et bien sûr, on peut pas se téléporter. Surtout parce que je pense pas que j'ai pris le checkpoint là-bas, bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Super Mario Odyssey. Et au prochain épisode, on va. Alors, hop là, là-bas. On va aller là-bas, voilà. Pour aller là-haut. Voilà ce que j'avais à dire. Allez! À plus! See?